Un bon plan parce que d'abord c'est très convivial, c'est en toute simplicité, c'est un lieu où on y mange bien. Et surtout, surtout, le fait d'écouter de la musique avec des musiciens en live qui sont là devant vous. Et ça, c'est absolument génial. Et c'est pas plus cher que le reste, que les autres restaurants, parce que pour le prix d'un menu, les gens viennent manger et assistent à un concert qui s'arrête à minuit, parce qu'il y a trois animations tous les soirs. Il y a un pianiste jazzy qui vous reçoit le temps que vous preniez l'apéritif. Ensuite, il y a un premier groupe dans lequel on participe un petit peu, histoire de se rappeler au bon souvenir que nous étions aussi des musiciens. Et pendant une petite demi-heure. Et ensuite, il y a les groupes qui se produisent, qu'on invite systématiquement tous les soirs. Comme quoi, la Valentine est un lieu qui vit la nuit, absolument, comme beaucoup d'endroits à Marseille. Déjà avec le ne serait-ce que le côté porteur du cinéma, des Trois Palmes, qui est quand même une entité à Marseille maintenant, le nombre de restaurants qui s'y est ouvert, et nous, avec la particularité de la cuisine, de la cuisine et de la musique réunies. Voilà.